Continuez de schtroumpfer. Absolument incroyable. Qui êtes-vous, petite créature? Nous ne sommes pas des créatures. On est des schtroumpfs. Des schtroumpfs? Oh. Ah bon? Mais c'est amusant. Je crois bien, mes jolis petits schtroumpfs, que vous allez me rapporter de vos écus. Des écus? Une devinette. Attendez, sire. Si je suis un peu plié et que vous êtes un âne et plat, qu'est-ce que vous êtes? Un âne et plat? Non, vraiment, ça, je ne vois pas du tout. Vous êtes un platane. Elle est drôle, non? Elle est drôle. Hein, vous trouvez pas? Non. Ah non? Non. Bon. Et cette drôle de tête-là, vous aimez, là? Une drôle de tête? Mais il y a toujours eu que ça, ici. Ah. Et des chants et des danses. La 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 l'air. La 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 titre. La 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 l'air. La 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 la. Des chants et des danses. Des chants et des danses, mais c'est pas ça. Et si je jonglais? Oh non, non, non. Ça m'ennuie tout ça. Oui, ça l'ennuie. Mais c'est surtout lui qui nous ennuie. Et pourtant, j'ai beaucoup de talent, moi. Oh, Pierre-Louis! Dis-moi, Pierre-Louis, est-ce que le roi... Le roi, il s'ennuie. Et si moi, je l'ennuie, alors crois-moi, c'est sans espoir. C'est vraiment sans aucun espoir. Figure-toi que j'ai peut-être le remède qu'il lui faut, Pierre-Louis. J'ai trouvé toute une troupe de saltimbanques. Il y a même des jongleurs. Oh, une troupe de saltimbanques. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi, eux? Oh, regardez-moi ça, quelqu'un avec une peau d'ours. Ça alors, il a l'air tout à fait vrai. Je vais faire rire notre bon roi si je me promène avec ça. Je vais commencer par essayer. Ah ben c'est pas vrai, la tête elle doit être collée. Allez, décroche-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai besoin de cette tête, moi. Ah ouh! Il y a certainement des boutons quelque part. Des boutons, des boutons, des boutons. Il y a des boutons, des boutons. Ah, il n'y a pas de boutons. Mais qu'est-ce que c'est que ce costume? Martin, viens ici. C'était un vrai, monsieur, un vrai. Oh. Allons, Pierre-Louis, ce n'est pas le moment de dormir. Il est temps que le spectacle commence. Nous allons commencer par l'extraordinaire spectacle présenté par les Garbonzo. Tout ça est d'un banal. Ce n'est que le premier numéro. Un peu de patience, ils vont faire mieux. Martin, viens ici. Hey, attention. Ça, c'était vraiment très drôle. Non. Suivant, s'il vous plaît.
Et l'apothéose de cette folle journée, sire, notre vedette, le joyeux troubadour. C'était par une sombre journée, la ferme du paysan avait été la proie des flammes, ses poulets étaient morts, ses oies étaient calcinées, ses enfants étaient en larmes et toute sa récolte était perdue. Non, 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 mon brave, sa majesté veut une chanson gaie, beaucoup, beaucoup plus gaie. Ah, mais il fallait le dire tout de suite. C'était par une sombre journée, la ferme du paysan avait été la proie des flammes, ses poulets étaient calcinés, ses enfants étaient en larmes. Et toute sa récolte était perdue, Youpi. Bah tu vois, je te l'avais dit, si je n'y arrive pas, personne ne peut y arriver. Sire, sire, notre toute dernière surprise, je vais maintenant vous présenter quelque chose que vous n'avez certainement jamais vu. Et voilà. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes des schtroumpfs. Des schtroumpfs? Mais il ne faut pas les mettre en cage. Où les avez-vous trouvés, d'ailleurs? Eh bien, je les ai achetés à un bûcheron pour 2 écus. Oh, mais selon les édits du roi, vous devez leur rendre leur liberté s'ils vous remboursent la somme que vous les avez achetés. Donnez, mes amis, donnez ces 2 écus à votre maître et vous obtiendrez votre liberté. Oh, merci beaucoup. Quelle mauvaise journée, 2 écus à vous dégoûter de travailler. Dites-nous, les schtroumpfs, d'où venez-vous? De la forêt. Mais notre village a été totalement schtroumpfé. Totalement schtroumpfé, comment? Oui, nous sommes les seuls schtroumpfs à y avoir échappé. Par tous les saints, mais qui a pu faire ça? C'est un schtroumpf qui schtroumpfe du schtroumpf. Tu veux dire que c'est un autre schtroumpf? Non, c'est un schtroumpf qui schtroumpfe du schtroumpf. Oui, et il faut schtroumpfer là-bas le plus vite possible. Et nous allons vous aider. Sire, nous devons partir immédiatement pour tenter de découvrir ce mystérieux schtroumpf qui schtroumpfe du schtroumpf. Eh bien, je pars avec vous. Ça me changera de la vie monotone que je mène ici. Oui, sire. Allez, arrêtez, ne pas si vite. Si on arrêtait un moment, j'aurais bien envie de voir quelque chose. Et moi, j'ai besoin de calme et de tranquillité. Nous y sommes. Dieu soit loué, je vais pouvoir manger et me reposer. Nous sommes venus vous demander votre aide, messire Omnibus. Car les petits schtroumpfs courent un danger terrible. Oui, nous avons été schtroumpfés par un schtroumpf qui schtroumpfe du schtroumpf. Schtroumpf qui schtroumpfe du schtroumpf? Je crois que ça veut dire un bandit qui parle du nez. Oh non, 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 c'est pas ça. C'est un éléphant qui joue du corps. Mais non, c'est pas ça non plus. Attendez, j'ai un moyen de savoir en interrogeant ma boule de cristal. Attention, mes amis, il faut que je me concentre. Prisonnier. Grand Schtroumpf. Je peux pas vous entendre, Schtroumpfette. Ce n'est qu'une simple image. Mais où sont les autres Schtroumpfs? Et qui sont les sauvages qui gardent le grand Schtroumpf prisonnier? Là, je ne peux pas vous répondre. Alors, nous devons le découvrir. Schtroumpfette, Schtroumpf costaud, vous pouvez nous conduire jusqu'au village? Eh bien, nous ne devons pas théoriquement y conduire d'humain, mais... Et nous vous montrerons le chemin. Parfait. Alors, nous partons immédiatement. Joanne, prenez ce bâton magique qui vous sera utile. Si vous avez besoin d'eau, frappez le sol en disant « Alakazam » et vous ferez jaillir une source. C'est vrai ça? Alakazam! Non, attention! Oh ben ça alors, ça marche! Et pour arrêter, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui vous a dit qu'il y avait un moyen de l'arrêter? Joanne et nos chevaux, voyons! Le chemin n'est pas praticable, sire. Tu veux dire que nous allons marcher? Marcher? Toujours marcher. Adieu, Omnibus! Au revoir! Et bonne chance! Oh, on ferait peut-être mieux de faire demi-tour, Joanne. Moi, je suis épuisé. Non, sire. Nous devons presser le pas. Continuons. Ça y est, nous sommes passés. Oh, c'est pas trop tôt. Nous sommes au pays maudit. Pas encore, non. Mais maintenant, ce n'est plus qu'à quelques schtroumpfs d'ici. Suffit de schtroumpfer ce désert. Ce désert? Ah oui. Quand je pense qu'au château, il y a un bon feu et un lit d'oulier, si seulement j'étais resté chez moi.
On le souhaiterait, nous aussi. Pierre-Louis, voilà l'occasion de te servir de ton bâton magique. Ah, c'est vrai, le bâton magique. Ah, la Kazam ! Après tout, sire. Oh, non ! Mais elle est salée ! Salée ? C'est pas possible. Oh, c'est vrai. C'est pas possible. Omnibus ne nous aurait pas fait ça. Salées. Elles sont toutes salées. Oh, mon royaume pour un pichet de vin blanc bien frais. Son royaume pour un pichet de vin blanc bien frais. Oh, regardez là, de l'eau. De l'eau. De l'eau, c'est de l'eau. Bonjour l'écureuil, bonjour le lapin, nous sommes arrivés. Ah, tout de même. Bravo les petits schtroumpfs. Voilà notre village. Où est-ce qu'il en reste? Ne vous inquiétez pas, nous châtirons ceux qui ont fait ça. Je vous le jure. Bon, et où est-il ce fameux schtroumpf qui schtroumpf du schtroumpf? Le voilà. Un dragon! Oh, voilà! Au secours! Il va me dévorer! Maman! Oh non! Ah, allez, allez, coucher! Allez, va-t'en! Va-t'en, sale bestiole! Allez, ouste, ouste! Johan! Oh. Arrière pour les arts. Et où est le dragon? Il s'est coincé tout seul, mais il ne va pas tarder à se dégager. Il s'éloigne. Où sont le roi et les petits schtroumpfs? Faites-moi descendre, c'est un ordre. Je suis le roi, tout de même. Cherchez-moi. Non, c'est pas là. Au secours! Pauvre roi, mais qu'est-ce qu'il va devenir? Il faut le suivre. C'est notre seul espoir. Et le sien, surtout. Vite! Des ennuis, toujours des ennuis avec lui. Misérable vermine, c'est incroyable! Fafnir, où est-ce que tu as déniché cet oiseau-là? Dites donc, vous, soyez poli. Sachez que je suis le roi. Oh, mais ça m'est complètement égal. Riez tant que vous pourrez. Mais quand Johan et Pierre-Louis seront venus me délivrer, on verra si à ce moment-là vous rirez encore. Quoi? Il y en a encore d'autres? Fafnir, vite, va chercher. Attention, le dragon, cachez-vous. Il a dû dévorer le roi. Pas nécessairement. Vite! Oh, c'est horrible! Voilà tout ce qui reste de lui. C'est pas évident. Il l'a peut-être déposé dans cette grotte. C'est tout ce que vous nous rapportez? 15 tout petits diamants, bande de petits fainéants. Si je n'ai pas une bourse pleine de pierres précieuses ce soir, je ferai retirer votre grand schtroumpf par mon dragon Fafnir. Quoi? Je vais lui casser la figure. Non, je trompe costaud. Et maintenant, on travaille. Et les schtroumpfs. Schtroumpf costaud. C'est la schtroumpfette. C'est qu'on est content de vous re-schtroumpfer. Comment vous nous avez re-schtroumpfé? Et où est le schtroumpf qui schtroumpf du schtroumpf? Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à craindre.
Ce sont nos grands amis, Johan et Pirlouit. Nous sommes venus vous délivrer. Mais dites-nous, qui est cet homme qui vous menaçait? C'est ce sale schtroumpf de Monuf. Oui, c'est Monuf et son grand schtroumpf, qui schtroumpf du schtroumpf, qui ont détruit notre village, n'est-ce pas? Oh! Alors c'est Monulf qui commande le dragon? Mais où est le grand schtroumpf? Monulf, là, schtroumpf est quelque part au fond de la grotte. Le roi doit être prisonnier avec lui. Alors, nous allons les délivrer. C'est certainement par là. Tiens, tiens, tiens. Monulf n'a pas beaucoup chômé. Johan! Finis de rire, messire Monulf. Tu n'es pas de taille contre moi, mon petit gaillard. Je vais t'apprendre à danser. Je regrette, mais j'ai une autre idée. Pitié, messire, ne me tuez pas. Conduis-moi jusqu'au roi et au grand schtroumpf. Oui, papa. Oui, allez-y. Grand schtroumpf. Les braves petits schtroumpfs. Tout va bien, sire? Mais oui, Johan, mais oui. Oh, 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 ce que c'est touchant. Oh, oh, oh. La sortie de la grotte est là-dedans. Mais ne croyez pas que vous allez vous en tirer comme ça. Ah bon? Et quel sort monstrueux nous réserves-tu, mon pauvre ami? Oh! Oh! Le dragon! Vite! Demi-tour! Vous ne sortirez jamais vivant de cette grotte. Jamais, 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 jamais! L'avenir va tous vous griller. Le grand schtroumpf, grand schtroumpf, j'ai schtroumpfé une autre sortie. Oh, oui. Oh. Malheureusement, il n'y a que les schtroumpfs qui peuvent passer. Oh. Oh. Allons toujours voir comment elle est. Ils reviennent. Et voilà, nous avons trouvé des noix, des noisettes, des châtaignes, de l'eau. J'ai trouvé des quoi, grand schtroumpf? Mais non, c'est du pavot, schtroumpf maladroit. Grand schtroumpf? Du pavot. Mais voilà le moyen de sortir d'ici. Non, d'un petit schtroumpf. Mais c'est bien sûr. Comment n'y ai-je pas schtroumpfé plus tôt? Venez, nous allons schtroumpfer beaucoup de pavots. Tout plein de pavots. Sire, aidez-moi à rassembler du petit bois. Pirlouit, trouve-moi un chaudron. Qu'est-ce que tu vas faire? Explique-moi, explique-moi. Plus tard, plus tard. Plus tard, plus tard, c'est toujours plus tard avec toi. Oh, idiot, vous ne passerez jamais Fafnir. Et si le dragon peut avaler cette potion, il dormira comme un bébé. Fafnir, attention! Ils veulent t'empoisonner! Ouah, il a schtroumpf! Combien de temps avant qu'il s'endorme? Bientôt, j'espère. S'est endormi. Regardez, il est vraiment endormi, hein? Oh, il est presque mignon une fois qu'il a endormi. Et qu'est-ce qu'on va faire de lui? Excellente question, Père Louis. On ne peut pas le laisser en liberté, c'est un animal dangereux. Pauvre Mabo, vous ne pourrez rien faire. Si seulement on pouvait l'empêcher de cracher du feu. Il est écrit dans le grand livre des Schtroumpfs qu'un dragon qui ne peut plus cracher du feu n'est plus dangereux. Mais oui, il a raison. Pirlouit, donne-moi le bâton magique. Ne me dis pas que tu as envie de boire de l'eau salée. Non, non. Je vais en donner un morceau à un petit schtroumpf qui devra entrer dans la gueule du dragon et éteindre le feu qui brûle à l'intérieur. Oh. Essayez, grand schtroumpf. Allez, que j'aime. Pas de problème, j'y vais. Bon, courage, grand schtroumpf. Je vais bientôt être libre. Non, d'un schtroumpf, il fait tout noir là-dedans. Oh, c'est pas que j'ai peur, mais je crois que je préfère siffler un petit air pour me schtroumpfer du courage. Oh, c'est difficile de siffler tout en claquant des dents. Mais une lueur. C'est une vraie fournaise là au bout. Oh, la chaleur est insupportable. Il faut pourtant que je m'approche.
Vous entendez quelque chose? Non, rien du tout, à part les battements de son cœur. Oh, pourvu qu'il ne soit rien arrivé au grand Schtroumpf. Oh, Schtroumpfette, attention! Le dragon s'éveille! C'est terrible, le grand Schtroumpf est toujours à l'intérieur. Vas-y, pas venir, grille-les tous. Vas-y, vas-y, grille-les tous, pas venir, grille-les. Se sauver. Vous avez réussi, grand Schtroumpf. Oui, le Schtroumpf ne peut plus schtroumpfer du Schtroumpf. Raté, tout est raté, raté. Notre village sera bientôt reconstruit et tout ça grâce à votre aide. Merci, nous aussi. Un jour, peut-être, nous aurons besoin de votre aide. Et nous serons là, Johan. Adieu, les Schtroumpfs. Il faut que nous partions maintenant. Oh, non. Non, des montagnes, des déserts, des marais. Mais non, sire. Cette fois, nous allons voler. Voler? Et qu'on est bien chez soi, finalement. Cette nuit, vous allez pouvoir dormir dans un bon lit douillet. Ah oui, un bon lit douillet. Et Manulf sur la paille humide du cachot. Fafnir, tu veux le calmer? C'est bien, bravo. Pierre-Louis, demain, tu vas rendre le bâton magique à Omnibus. Bien sûr, Johan, bien sûr. Dès demain matin. Pierre-Louis! Oui, sire. Ça ne peut plus continuer. Tu as joué avec le bâton qui fait jaillir de l'eau. Mais moi, qu'est-ce qui vous fait dire ça, voyons, sire? C'est comment une piscine?